Bonjour tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Jade et je suis étudiante en cinéma à Paris 8. Je suis là ce soir pour modérer le débat. Donc je vais rapidement présenter les intervenants, intervenantes, et après on passera à une série de questions entre nous cinq sur scène. Et puis on garde un petit temps à la fin pour vos questions si vous en avez. Donc on est ce soir en présence de Elettra Bisogno, donc réalisatrice du film The Roller, The Life, The Fight. Donc Elettra, tu es italienne, née en 93 en Italie. Tu as fait des études en Italie de design graphique avant de venir en Belgique où tu as commencé à étudier l'image en mouvement là-bas, donc dans une école d'art de laquelle tu es sortie diplômée en 2021. Donc ce film que vous venez de voir, c'est ton troisième film documentaire après deux courts-métrages qui était aussi donc un réalisé avec Azem. Azem, tu es toi née en Palestine en 98, il me semble, à Gaza. Tu as suivi aussi une scolarité à Rafah. Et puis tu es arrivée après en Belgique aussi où tu as rencontré Elettra et vous avez co-réalisé ce premier film Old Child ensemble en 2020. Et puis tu es passionnée de narration, de roller comme on a pu le voir, de cuisine aussi, et depuis donc tu utilises le cinéma comme un moyen d'expression dans ta vie. Et Thomas Richard, donc vous êtes chercheur, enseignant dans plusieurs universités en France. Vous êtes aussi docteur en sciences politiques, spécialisé dans la Palestine et le monde du Moyen-Orient, entre autres, d'être spécialisé dans plusieurs zones du monde. Et votre travail porte surtout sur les identités à l'écran dans les films, les politiques et culturelles de toutes ces zones que vous étudiez. Et on est aussi accompagné donc de Robin Cognier pour la traduction de l'anglais vers le français des réponses des intervenants et intervenantes. Voilà. Donc merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Pour commencer, je vais faire une petite introduction du film. Moi, je l'ai vu, ce film, comme un film avec plein de couches. Donc, il y a la couche de la migration de vous deux qui migrez dans beaucoup d'endroits différents. Il y a la couche de la relation que vous tissez entre vous deux qui est quand même très présente dans le film. Et il y a aussi la couche d'un partage entre vous deux, un partage d'une histoire et un partage de culture et aussi un partage vers un public qui est donc à nous. Donc on va essayer de revenir sur tous ces points un peu pendant le débat. On va commencer par cette première question qui concerne le dispositif, donc que je vais m'adresser à vous, réalisatrice, réalisateur. Donc le film commence et s'ouvre sur une séquence métacinématographique, c'est-à-dire qui parle du film à l'intérieur du film en lui-même. Et Elettra, vous dites à Azem, je veux faire un film sur toi. Et après, vous discutez de comment vous allez faire le film, sur quoi vous allez faire le film, qu'est-ce qui va faire film. Et c'est vrai que quand on fait un film, on se pose toujours à un moment donné la question du dispositif, comment on va le faire, qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc ma question, elle est assez simple. Quand est-ce que naît le tournage pour vous? En fait, comment est-ce que vous décidez d'allumer la caméra et d'éteindre la caméra? Est-ce que c'est par instinct ou est-ce que c'est parce que vous cherchiez quelque chose et quand vous le trouvez, vous allumez la caméra? Donc je vais le dire en anglais pour Azem. Bonjour. Bonjour. Merci déjà à la Villa qui est pour cette opportunité d'être ici, de partager avec vous ce bout de notre histoire, de ce chemin qu'on a fait, et aussi pour cette discussion. C'est les premières fois pour nous, donc on va essayer notre mieux. Mais pour parler du dispositif, je pense, donc oui, c'est moi qui amène la caméra,
enfin, j'avais ça comme pratique pour découvrir le monde. En fait, la caméra me rapprochait des questionnements que j'ai quand je me positionne. Enfin, je suis arrivée à Bruxelles et c'est une ville qui est ouverte et qui te montre plein de choses. En fait, si on a le temps de regarder, c'est une ville où le monde est là. Et si on a le temps et si on a envie, on peut aller se rapprocher des choses. Des personnes qui amènent toutes leurs histoires. Et donc, voilà, on s'est rencontrés avec Azem. Et je pense qu'on a toujours vu la caméra où on voulait le faire à taille humaine, disons. Oui, et de manière naturelle. Comment c'est si toi et moi, on fait un film, de quoi est-ce qu'on va commencer à parler? Donc on prenait la caméra souvent assez comme ça, oui, instinctivement, naturellement, sans... elle était là, elle faisait partie de un peu notre recherche. Et on s'est mis d'accord dans cette première scène qui n'était pas la première scène tournée, mais c'était un moment clé du tournage qui a duré, disons, 3 ans. Et c'est un moment qui nous a aidé souvent à comprendre, à garder la ligne de où est-ce qu'on voulait aller, en fait, et de qu'est-ce qu'on voulait raconter. On voulait raconter une histoire par les sentiments et par ce qu'on vivait, les difficultés, les raconter simplement... oui, voilà, et de manière naturelle, simple. Hello everyone. I don't speak French, but I can maybe, yeah. He's here to help me to translate. Bonsoir tout le monde. Je ne parle pas français, mais je peux peut-être. Je parle un petit peu le français, mais pour expliquer bien, je collapse. Mais ça va. Alors. According to her question that he asked about how we started to record each other or started carrying the camera. Concernant cette question que Jade a posée sur comment est-ce qu'on a commencé à enregistrer et à faire ce film. I arrived to Belgium and then we met me and Letra in film screening. Donc je suis arrivé en Belgique et on s'est rencontré avec Elektra lors de la projection d'un film. From that moment, we start to get to know each other. Elektra, she was studying in Casque, in a cinema. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire connaissance. Elektra, elle étudiait le cinéma. Through Elektra, I start to think about the cinema world. Donc, grâce à Elektra, j'ai commencé à m'intéresser au monde du cinéma. And the way how we look at the cinema from our vision, we start to dig in it, and then we made the first movie, which is All Child. Donc à partir de là, on a commencé donc à creuser et à vouloir faire un film ensemble. Et le premier, c'était All Child. That was one of the experience to how we carry the how we are seeing how to use the camera, and then. We started the second movie, New Life, New Fight, and it was the second step between us. It was the camera as a relation, like the link between us and our relationship. Donc ensuite, on a avec le premier film, c'était un petit peu pour expérimenter, disons le fait de filmer, et ensuite on a fait un second film, et donc là, ça a renforcé un petit peu notre lien. Et disons qu'à travers le fait de filmer, ça a renforcé notre propre relation. I want to say, like, of course, like there was so many differences between like when Elektra carried the camera or I carried the camera. There is two different ways of seeing things, but we try to make the bridge between the two as a European perspective and. Yeah, Mediterranean perspective.
Donc on a essayé un petit peu d'accorder nos violons sur la façon de filmer, puisqu'on avait deux façons différentes de filmer. Celle d'Elettra, qui était, disons, européenne, une vision européenne des choses, et la mienne, qui était une vision plus méditerranéenne. And then we found the link that cope together to put things together and record things and try to put the two perspectives in one perspective and not divide it. Et donc on a trouvé donc le lien entre nous deux pour fusionner un petit peu nos points de vue, nos perspectives. Et au lieu d'avoir deux perspectives différentes, deux points de vue différents, d'en avoir plus qu'un seul, ou une seule. I don't know if I answered your question well, but that's how we started to record it 2018. So we have been for 5 years recording, even, yeah, 5 years of recording, so it was a long way to make this movie. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en tout cas voilà, c'était une longue route. On a commencé en 2018 à tourner, donc ça fait 5 ans, il nous a fallu 5 ans à peu près pour faire ce film. Peut-être je voulais juste ajouter que oui, on expérimentait beaucoup avec la caméra de comment on peut filmer les choses, comment on peut traduire des sentiments ou comment des mouvements internes et comment l'image en mouvement peut aussi raconter ça. Et du coup, voilà, c'est un dispositif qui a aussi beaucoup évolué. Et on est passé par différentes phases. Et ouais, voilà, c'était plein de vidéos et de recherches. Ouais. Ok, merci. Et pour continuer du coup sur la fabrication du film, après donc avoir récolté toutes ces images, tous ces rushs pendant 5 longues années, je me demande à partir de quel moment vous vous êtes dit que ce que vous aviez récolté ferait film, et de quoi est-ce que ça allait parler, où vous disiez là on tient quelque chose, ça fait film, et on sait qu'on a envie de raconter ça. Et j'imagine que ça s'est écrit tout ça beaucoup au montage. On dit toujours que le montage c'est la troisième écriture d'un film après le tournage, après le scénario et le tournage. Voilà, comment ça s'est un peu passé cette étape de choisir les rushs, de prendre des lignes, enfin choisir des lignes narratives dans le film. Vous parliez, enfin tu parles, Elettra, des émotions, de l'image en mouvement, de toutes ces sensations que vous voulez retranscrire. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose, comment des étapes un peu clés dans l'écriture du film au montage? Well, to answer your question, like I mean, in the montage, of course, like it was about the problematic things that I live in my life as a migration in Belgium. Donc pour ce qui est du montage, effectivement, donc le sujet était de mettre l'emphase sur les problématiques que j'ai pu rencontrer en tant que migrant en Belgique. So my problem is not only mine, like it's a problem of many people, and I think it's it was like there is not another story that except like migration, crossing a country and arriving to Belgium, trying to explain his feelings. So there was not specific things that we could choose for the montage about specific things, you know. It was, that's what we record. It was like specified in a way that this is the personal life that I share with people that I was living. Donc il n'y avait pas vraiment d'idée de faire un montage spécifique. L'idée c'était de montrer ce que j'ai traversé en tant que migrant. C'est une histoire qui est commune pour beaucoup d'autres personnes. Et donc l'idée c'était juste de montrer en live et en réel
en réalité, ce qu'a été mon parcours, ce que sont les sentiments, les émotions que peuvent ressentir un migrant. Moi, je pourrais ajouter que donc on a tourné beaucoup et il y avait quelque chose de la question d'avant que j'ai pas répondu quand tu disais quand est-ce qu'on filme ou quand est-ce qu'on cherche quelque chose ou est-ce qu'on ouvre la caméra là où on sait qu'il y a quelque chose. Ça, c'était vraiment une question qui était toute moi au début, mais dans la deuxième phase du tournage, c'est une question qui était très présente. Parce que, oui, en fait, c'était pas du tout... On savait pas ce qui allait se passer. On était dans une instabilité pendant des années. Et... du coup, on ne savait pas, OK, il faut que notre film aille par là. Et je pense que le documentaire, c'est un peu ça, c'est se laisser, enfin, être là, recevoir, mais pas vouloir emmener les choses d'un côté ou de l'autre, parce qu'on forcerait les choses, alors que là, on a vraiment essayé de capturer... Ce qui nous arrivait. Et non, pour le montage, on a travaillé. Ça s'est passé qu'on a fait d'abord une petite cristallisation avec Old Child, et ça nous a. On a essayé vraiment un style différent. C'est très expérimental. C'est onirique. C'était très amusant de monter ça. Après, on a continué à filmer et la vie, en parallèle, s'empirait parce que la situation des papiers commençait à devenir très lourde. Alors qu'au début, il y a toute cette richesse de la rencontre, de tout l'amour, enfin plein de choses qu'on veut capturer. Après, la vie commence à être difficile et on se dit, mais il faut continuer à filmer, mais de quelle manière on va filmer ça? Et c'est là aussi que j'ai commencé à être dans le film, parce que je voulais pas, du coup, regarder le problème d'Azam comme un problème lointain. Moi, disons, la migration, c'est... quelque chose qui m'a toujours beaucoup questionnée. Je me demande comment les gens y vivaient les choses. En Italie, on a beaucoup d'histoires très tragiques. Je me suis dit... Enfin, j'ai commencé à me questionner beaucoup sur ma société. En fait, le regard d'Azem m'a mené... à questionner beaucoup, moi, ma place dans ma société, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux montrer, quel regard proposer. Voilà. Mais du coup, le montage s'est fait par séquence, vraiment, quand on regardait des rushs et on montait. C'était par thème aussi, c'était par séquence, c'était pas chronologique, c'était... cette vidéo est très forte et elle raconte quelque chose du lien que Azem a à Gaza. Là, cette séquence, elle raconte quelque chose de comment nos réalités se croisent. Où est-ce que nos réalités se croisent? Et du coup, on avait beaucoup de séquences, une quinzaine, et on a commencé avec un monteur aussi à les mettre pour essayer d'avoir un peu une narration quand même. Du coup, un début et un voyage. Du coup, certaines scènes sont vraiment là pour que cette narration soit là, présente, mais beaucoup de scènes sont là vraiment pour les émotions qu'elles portent. Et c'était une balance entre combien
quand est-ce que moi je suis là, quand est-ce que... et on a monté comme ça, c'était... Voilà. I want to say for the montage, it was like it was a very hard moment where like you are going to this dark room, you watch yourself over and over. I often don't feel want to go to that room anymore because it just like give me each time flashback and I'm like my head was going like crazy and but it was the only way that I could fight. So there is not another way as a migrant who immigrated in Belgium in Kabul with an Italian girl, and it's there was not, I was trying to express my love, my the montage part was really hard. But I'm really happy that today that we have done it together and we made this film to explain and fight through that. Sorry. Je vais essayer d'être de retranscrire tout ce qui a été dit. Donc oui, le processus de montage était plutôt une épreuve pour moi. C'était vraiment pas facile d'aller dans cette chambre noire et de se regarder soi-même, de revoir toutes ces images, de devoir faire un choix et de trouver la voie. I'm trying to find the end of what you said because it was beautiful. Mais oui, c'était la seule façon d'exprimer mon amour. Et de montrer comment on s'était battu pour faire ce film et voilà, sur ce chemin de la migration. Oui, c'était vraiment un moment difficile de se regarder et les problèmes étaient toujours là. Et ils n'étaient pas résolus, ils n'allaient pas se résoudre. On ne voyait pas la résolution. Mais le film permettait un peu de résoudre quelque chose d'une certaine manière. Je sais pas, c'était éclairer un peu un chemin et des questionnements et peut-être ça pouvait éclairer aussi d'autres personnes. Merci. Je vais passer à une question plutôt pour vous, Thomas Richard. À propos, du coup, vous êtes spécialiste du cinéma palestinien et de la circulation des films et de leur production. Y a cette scène dans le film où Hazem dit à des camarades dans un camp de réfugiés, il me semble, que le film ne sera pas à propos, sera à propos du fait qu'ils ne sont pas des réfugiés uniquement. Et c'est vrai qu'en fait, nous, quand on est en Europe et dans des pays occidentaux, on perçoit des films qui sont en provenance de Palestine ou du Moyen-Orient, qui sont souvent à propos des conflits politiques ou de la migration. En tout cas, des films très politisés. Et en fait, je me demande, quelle est la place pour la production de genre de films dans cette région-là? Est-ce qu'il y en a une pour la production autant que la diffusion, et peut-être de manière générale, quelle place pour le cinéma en Palestine? Bon, alors là on se heurte à quelque chose qui n'est pas d'une très grande simplicité, on va dire, vis-à-vis de la production de films. On va avoir des enjeux qui sont particuliers et qui évoluent avec le travail d'Eletra et Hazem. On a affaire à du cinéma de l'intime, du cinéma qui est fait avec très peu de moyens et qui a besoin de très peu de moyens. C'est de la caméra tenue à la main, c'est presque du téléphone à certains moments, ce qui permet davantage de liberté. Ce qui correspond aussi à des transformations, à des rapports à l'image qui sont nouveaux, et ce qu'eux-mêmes disent lorsqu'ils évoquent la façon dont ils vont travailler l'image, dont ils vont filmer. Puisque pour moi, en regardant ce film, il y avait aussi une question qui était celle de l'autofiction, celle du moment où on se retrouve à être acteur de sa propre vie, tout en se regardant. Vis-à-vis d'un cinéma qui va avoir besoin d'un petit peu plus de moyens et de diffusion, en fait,
là, la question, elle est aussi par rapport à des institutions qui vont financer. On a affaire à des cinémas qui ont très très peu de moyens, que ce soit venant de l'autorité palestinienne ou des institutions locales en elles-mêmes, donc interviennent beaucoup, souvent. Alors, un peu des ONG, et puis au-delà, dès qu'il y a un besoin d'un petit peu plus d'argent, ça va être souvent des institutions européennes, éventuellement des institutions arabes, plutôt des pays du Golfe, des fonds dédiés au cinéma des Suds, des fonds dédiés à la diversité culturelle, et ainsi de suite. Et de façon presque caricaturale, je me souviens d'un générique, c'était, il me semble, un film d'Elia Suleiman, où il y avait 17 coproducteurs qui étaient listés les uns derrière les autres, y compris des lenders allemands, y compris des régions françaises, puisqu'il y a des fonds pour la culture à ce moment-là. Par contre, là où ça a une incidence, c'est que ça correspond aussi à un regard. Et il faut bien imaginer que, à travers ce que nous montrent Elettra et Azem, mais de façon beaucoup plus large en fait, la Palestine, le monde palestinien, il est en permanence sous le regard des caméras. Absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et partout. Que ce soit des caméras de surveillance, que ce soit des caméras de presse, que ce soit des caméras de documentaires, des caméras de réalisateurs, réalisatrices, qui sont en chair, en recherche de faire un film, alors documentaire, docu-fiction, fiction, etc. Et qu'on n'échappe pas à la caméra, on n'échappe pas au regard, et ça pose en même temps, également par rapport à ce qu'ils évoquent, la question du témoin. Est-ce qu'on est cinéaste, est-ce qu'on est témoin? Et comment on articule les deux? Et de l'autre côté, et j'arrive en fait au point important, c'est qu'on va avoir des institutions qui réfléchissent par rapport à un public prescripteur. Un public prescripteur, c'est-à-dire qu'on a, au moins pour les cinéastes les plus reconnus, les plus largement diffusés, Khleifi, Abou Assad, Suleiman, etc., Anmaï Jassir, on va avoir un public qui est celui des festivals internationaux, qui est celui des salles d'art et d'essai, et qui projette d'une certaine façon une image, en fait, qui attend quelque chose qui corresponde dans une certaine mesure. Il est ouvert, mais il y a une image qui est projetée. Et on a, en plus, dans le cas palestinien, parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les cinémas d'art et d'essai, on va dire, des pays du Sud. Mais dans le cas palestinien, on a en plus aussi le contenu militant. On a un public qui est conscient politiquement, qui est conscientisé, qui se veut comme tel, et qui a une attente. Donc, c'est difficile aussi d'en sortir. Et parce qu'il y a aussi un besoin de témoigner, il y a un besoin de répondre à cette demande, et qui est une demande qui est profondément empathique. Mais en même temps, ça ne laisse pas forcément place à d'autres récits, à d'autres possibilités, ce qui peut aussi compliquer et justement arriver à demander qu'est-ce que c'est qu'être témoin mais cinéaste, être palestinien mais cinéaste d'abord. Donc là, pour vous répondre, c'est délicat. Alors le moyen de le faire avec des tout petits budgets et de le faire de façon extrêmement légère, ça permet d'autres choses. Mais ça vous place aussi un peu en dehors des circuits. Mais là, on rentre aussi dans des transformations du rapport à l'image qui se font aussi par plateforme, qui se font par diffusion parallèle. Alors, sur d'autres formes de militantisme ou de réseau. Ok, merci. Donc, ça veut dire que, en tout cas, pour ce qui concerne le cinéma palestinien, il est un peu contrôlé par des fonds qui sont externes à la Palestine. Contrôlé dans ses financements et dans ses demandes, en fait, dans la commande. Donc la production est occidentale et aussi d'autres parties du monde arabe. Mais donc c'est ça qui influence la production palestinienne, et on n'a peut-être pas donc de la place pour, par exemple, des thrillers ou des films romantiques, comme on se disait plus tôt. Alors, je ne dirais pas contrôlé, il est négocié. Il est négocié en permanence. C'est-à-dire qu'on a des institutions qui ont elles-mêmes une idée, mais qui sont ouvertes néanmoins. Mais après, il faut faire des dossiers, il faut présenter des dossiers de financement. Faire un film en Palestine sans
le soutien de ces institutions-là, c'est possible. Anéa Bouassade l'a fait, mais c'est du one-shot. En fait, il faut arriver à rassembler énormément de fonds, arriver à rassembler énormément de coproducteurs. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui peut se développer à travers le... comment dirais-je, le crowdfunding ou des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait ça. C'est négocié avec pas forcément une volonté d'imposer quelque chose, mais de dire, mais racontez-nous ce qu'on attend aussi. Racontez-nous notre vie. C'est en ça que je dis, on négocie, on a un projet artistique, et puis on le transforme. Du thriller, c'est possible. Et je parlais d'Anéa Bouassade. En fait, lui, il a clamé très longtemps, avec beaucoup d'enthousiasme, son amour du thriller. De dire, moi, je veux faire du thriller. Pour aller jusqu'à Hollywood, où il va faire du thriller. Il en fait quelques-uns, puis finalement, ça ne se passe pas très bien à Hollywood. En fait, Hollywood, c'est très, très provincial. Hein. Comment dirais-je ? C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez, quand bien même vous pouvez être reconnu dans votre pays d'origine, il y a un test. Il y a un test et on ne vous donne pas 150 millions de dollars et un casting 5 étoiles tout de suite. Donc on va lui demander de faire des plus petits films, mais ce n'est pas quelque chose qui va lui convenir tellement. Mais vous pouvez tout à fait trouver, hein, c'est La Montagne entre nous, c'est des choses comme ça, où vous avez Anéa Bouassade, réalisateur palestinien, qui vous fait du thriller. En revanche, en sortir pour faire un thriller purement palestinien ou faire un film d'horreur, ou que sais-je, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, c'est une possibilité qui existe, alors qu'on trouve notamment dans les pays du Golfe qui ont beaucoup investi cette dimension-là pour faire en fait du cinéma de genre qui parle de leur politique. On le retrouve un peu en Iran, en Palestine, pour l'instant en tout cas, c'est pas une dimension qu'on retrouve beaucoup. Et quand il s'agit de contrôle et de rapport à l'autre, bah, il y a aussi Israël, en fait. Puisqu'on va avoir un cinéma palestinien qui se développe aussi, dans une certaine mesure, adossé à une partie du cinéma israélien. Puisqu'il y a tout un pan du cinéma israélien qui est très progressiste et qui est très ouvert sur la réalité palestinienne. Et puis en même temps, il y a des institutions de contrôle. Alors ça peut être à la fois être diffusé à la Cinémathèque de Tel Aviv, mais en même temps avoir un gouvernement qui peut être extrêmement agressif. Donc c'est, encore une fois, on négocie ce genre de choses. Et en même temps, un peu vis-à-vis de ce qu'on disait vis-à-vis des pays du Golfe, c'est très délicat en fait de sortir. Et où il y aura... Mais ce qu'on retrouve en Iran, ce qu'on retrouve dans le Golfe, ce qu'on retrouve un peu partout ailleurs, c'est que faire du pur thriller, pour le plaisir de faire du thriller, ou faire de la science-fiction, pour le plaisir de la science-fiction, on aura en fait, pas forcément, même si soi-même on l'a pensé comme tel, mais un public, une critique, qui vont dire, voilà, qu'est-ce que ça nous dit du conflit ? Qu'est-ce que ça nous dit du projet national palestinien ? Ce qui est délicat. Aussi, parce que c'est tentant, mais en même temps, c'est très facile de surinterpréter aussi. Merci. Et est-ce que, Azem, would you like to add some words about the Palestinian film production, maybe, or not? Yeah, I mean, I didn't know the cinema except in Europe, to be honest. Donc, je ne connaissais pas le cinéma jusqu'à mon arrivée en Europe. Voilà. I mean, I would like to say something about, of course, like we know, like the only Egyptian cinema, that's what our vision about cinema, and I would say we didn't have this kind of like so many like materials, cameras, and education about like films, you know, like it was like the camera used for specific things. For what? For the press, when you record like the attacks, the what's happening. Sorry. Sorry.
Donc oui, le prisme qu'on avait, c'était surtout celui du, donc en Palestine, c'est surtout celui du cinéma égyptien. Et pour ce qui est des sur place en Palestine, on n'a pas vraiment, disons, accès à du matériel, des caméras, etc. Et pour nous, c'est très, ça reflétait quelque chose de très spécifique. C'était voilà le matériel de la presse, des journalistes, etc. Pour nous, ça évoquait ça. And the biggest gun for Israel is the camera, actually. Like if you see like these days as well, like you can see a lot of people record things with their phones, which is, I also remember that like the first thing that I have done, that I was using my phone to record some stuff. And then when I arrived to Greece, I start to put these things to create a movie to take it out of me and donc la plus grande arme des Israéliens c'est la caméra, et on le voit ces temps-ci. Donc j'utilisais à Gaza, j'utilisais déjà mon téléphone pour filmer, et après c'est en arrivant en Grèce que j'ai commencé à éditer et voilà, à filmer de façon plus professionnelle. Yeah, it's fine. So yeah, that's yeah. I mean, it's super hard. Like our thoughts in Gaza, it's like we live day by day, and because we don't know like what's gonna happen the next day. Donc c'est très dur à Gaza, et donc nos impressions, nos pensées, c'est qu'on vit au jour le jour, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer le jour d'après. Yeah, being artist in Gaza is like it's a very hard thing to do, because you miss a lot of things, you miss a lot of support. A lot of artists from Gaza, like they are not in Gaza anymore. The artist who stays in Gaza, like I would say, like a musicians. They have like a symbol instruments where they help the children to do some activities, and that's the only thing that you can do in Gaza as an artist. Donc être un artiste à Gaza, c'est très difficile, et on manque de soutien, d'aide, et du coup la plupart des artistes gazaouis partent de Gaza. Par exemple, pour ceux qui restent, si on prend par exemple un musicien, il va avoir juste un instrument très simple, il va jouer pour les enfants, faire des activités, voilà, très simples, mais parce qu'il est limité en fait. I would say like in an international way, like having a cinema like this and chairs and all these things is something like, of course we would like to have, but then we don't have the right, let's say. Because there is someone that blocking every possible way to let us see what is behind the, what is out of Gaza. Donc bien sûr que nous aimerions nous exprimer davantage à l'international et avoir une plus grande audience internationale, mais malheureusement on est confiné entre quatre murs, on peut dire, et on n'a pas la possibilité d'aller au-delà de ces murs pour pouvoir s'exprimer davantage. I want to say like when I went out of Gaza, I thought like there is no people around me, but I was surprised that there was people around me actually. Donc quand je suis sorti de Gaza, j'ai été étonné de voir des gens autour de moi, parce que j'avais pas la conscience qu'il y avait des gens autour de moi en dehors de Gaza. Yeah, I don't have any imagination about like, is there is another people or we are only living in this small point. Donc je pouvais pas imaginer en fait que en dehors de Gaza, de ce petit territoire, qu'il y avait des gens, d'autres gens. As well, also like cinema play a big role that make imagination, which is like mostly like we were watching in the television, just like movies, and we think that it's just an imagination, and these things, it doesn't exist, as our family say, like, this is not true, and then we believe that it's not true. So we always, I thought, like, we are no one, we are surrounded
with no one around us. Donc le cinéma comment dire, joue un rôle dans ce, en quelque sorte dans ce manque, dans cette limitation de l'imagination, puisque nos parents nous disaient voilà ce que vous voyez dans les films, etc. C'est pas la vérité, c'est pas réel. Et du coup, on avait l'impression que effectivement, en dehors de Gaza, qu'il n'y avait rien d'autre, que ça n'existait pas, même ce qu'on nous montrait dans les films. Voilà. And then I was having this curiosity to express myself and go out, and I wanted to discover what's behind this wall, and tried four times to get out of Gaza, and then it happened, and then I went out, and then it was, I mean, it's long to talk about my life crossing and what I felt. It's so many feelings, but every feelings for the first time. Donc, j'avais cette curiosité, ce désir de sortir de Gaza. J'ai essayé quatre fois. Four times. Et finalement, voilà, j'ai réussi à sortir. And did you say in the end? I said I don't have the feeling about like everything was feelings for the first time. Et donc j'ai expérimenté des sensations, des émotions toutes nouvelles pour la première fois, une fois sorti de Gaza. If you want examples like taking trams or I was the happiest person ever in my life catching the tram. Si vous voulez un exemple concret, par exemple pour moi prendre le tramway c'était tout nouveau et j'étais la personne la plus heureuse du monde de prendre le tramway. Or taking a plane like example, you know. Ou prendre l'avion. Merci. Je vais continuer avec une dernière question. I will go with another question, last one. Je me demandais à propos de... Enfin, il y a une phrase dans le film que dit Azem. Il dit « Si je suis née dans ce monde, c'est pour trouver ma liberté, sinon je ne veux pas être née. » Et pour moi, le film trace un peu cette recherche de liberté au travers des pays, des territoires... au-delà aussi en fait des démarches administratives et je lui demande où il en est dans cette quête de liberté et voilà. Yes, I was talking about the point like that we are not refugees because I lived like a simple life in a small place 75 kilometers or 45 kilometers that we have the same struggle. So we are equal. There was not this kind of sentence that you hear. You're immigrating in our country, or you're black, or you're white, or you're blue, or you're I don't know what. For me, these things like it didn't really exist, like talking about colors, because we have struggle. That we are in the same situation. That everybody is equal. Pour moi, c'était le racisme en fait m'était étranger, puisque pour moi, dans ce petit territoire où j'y vais, donc 45 km carrés, ce qui nous met tous, je parle donc à Gaza, ce qui nous met tous sur un pied d'égalité, c'est notre lutte. Donc en fait, on est tous sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de question de couleur, de qui est noir, qui est bleu, qui est jaune, peu importe. Et donc pour moi, c'est pour ça que je ne me sentais pas comme un... La notion de migrant m'était étrangère aussi. Et donc en fait, j'y ai été confronté seulement quand j'ai quitté Gaza. I want to say like that to your question, like why I said we are not refugees, because it was bothering me the word of refugee. And you can see... Many of us, like when we are doing something, we have to say like, we are working with refugees. We are helping refugees. And this word, it has repeated like a day, almost like 100 times, that you are like, please stop it. Like. Donc je n'aime pas le mot réfugié.
Et donc, c'est un mot qu'on nous répète souvent, 100 fois par jour. Aider les réfugiés, travailler avec les réfugiés. Donc, c'est un mot qui pour moi, une mauvaise connotation. And then I start to say like we are all refugees in this planet, and then we are going away, basically. Donc pour moi, selon moi, on est tous des réfugiés sur cette planète et on part tous d'un endroit vers un autre. But yeah, interesting question to hear from you about that. I said it in the film because I try to make awareness about that we are equal. And that's what I wanted to reach. Donc c'est une question intéressante que vous avez posée et que tu as posée. Et puisque précisément avec cette phrase, c'est chercher à éveiller les consciences sur le fait qu'on est tous égaux. Et donc je suis heureux d'avoir pu réaliser cet objectif. Also, like there is something that you had, like about how you searched the freedom. Right? Yes, I mean we could see this film as a film about migration, but I don't see it as migration. As like the main topic would be migration, but instead would be freedom. It's not a movie about migration, but a movie about the research of freedom. Does it sound to you, or? Yeah, of course. Sounds right. Yeah. I mean, no, I mean, it depends how you say things, you know, like sometimes you say like, we welcome refugees, but I mean, the way how you say it, like, do I feel it like, if you go and you knock the door of your friend and she say like, hey, welcome Jad, how are you, you know? You feel comfortable, you want to enter her home, you know? You want to cook together, you want to do something, you feel equal, you know? For me, I enter a place where I feel like everything is not, where like I felt that I'm not equal to certain points or living wise. Privilege, non-privilege. And I was the one, of course, non-privileged, who's starting from zero. Donc oui, la question faisait référence à la notion de liberté. Et du coup, Hazem expliquait que tout dépend du point de vue d'où l'on se place. Et donc, en l'occurrence, par exemple, si Jade toque à la porte d'une amie à elle, qu'elle l'accueille à bras ouverts, et qu'elle lui dit, voilà, tu peux entrer, elle va se sentir bien, elle va se sentir confortable, elles vont faire des activités ensemble, cuisiner, etc. Mais pour moi, j'ai pas senti ça quand je suis arrivé donc, en Europe, et on m'a fait ressentir le fait que, voilà, il y avait des privilégiés, des non-privilégiés, et moi, clairement, j'étais dans les non-privilégiés, puisque je partais de zéro. Yes, at the beginning when I went also out of Gaza, I had a different vision about Europe that I thought I'm as we say, like, you know, we are in Gaza, we think about like Belgium, Brussels, Paris, and we're like, whoa, we need to be there. We would like to be there because it's the other paradise. But then you enter Europe, but you discover yourself that you're not in paradise. In Gaza I live a physical war, and in Europe I'm living a mental war that it does connect me from everything. Like I don't understand who I am anymore, what I'm doing. Donc oui, quand nous étions à Gaza, on avait cette image un peu idéalisée de l'Europe, de voilà, la Belgique, la France, etc. On avait l'impression que c'était un paradis et on voulait, on souhaitait aller là-bas.
Mais c'est vrai que quand on, une fois arrivé en Europe, on réalise que bah, ce n'est pas un paradis et que donc j'ai vécu une guerre physique. Et là, je, en Europe, j'y vais une guerre mentale et donc qui me déconnectait de tout. And the idea of the Koshka and the children, it was like an idea from Gaza, which is very simple idea that we dream about always. That's closing to your question. Donc le, la référence à la cabane et les enfants, donc c'était, c'était une référence à un rêve qu'il avait enfant, donc de quelque chose de très simple. Les gens. Mm. Oui, que les gens ont d'une façon générale. On a peut-être un tout petit peu de temps pour une question ou pas. Oui, rapidement, s'il y a des questions dans le public. Oui. Déjà, merci, c'était magnifique. Je m'étais noté en fait 5 questions. Excusez-moi, vous ferez ce que vous pourrez. Il y a un truc que je n'ai pas compris à la fin du film, c'est à la fin, du coup, vous êtes en face de cette tonne de papier et vous dites que vous allez recommencer à zéro. Et là, je n'étais pas très sûr de comprendre. Est-ce que votre situation administrative s'est stabilisée en fait ou pas? Enfin, je dis plusieurs choses et puis vous direz ce que vous voulez. Par rapport à la mise en scène, donc vous avez évoqué tout à l'heure la notion d'autofiction. Je me demandais justement dans quelle mesure vous vous mettiez en scène parfois, spécialement pour le film, au-delà du réel, donc un peu comme la scène un peu finale là, comme ça, de patinage artistique en Belgique. Dans quelle mesure vous avez inventé des scènes spécialement comme ça, donc en dehors du réel en quelque sorte? Après, je me demandais, si je peux me permettre, dans ce que vous avez filmé, dans votre quotidien, notamment de lutte, il n'y a pas d'image des collectifs d'entraide qui sont pourtant quand même très présents et dont le travail est très important. Je me demandais si c'était un choix, pourquoi il y a si peu d'autres personnages, en fait, hormis votre famille et les personnes de la répression, j'ai envie de dire. Peut-être on s'arrête là si vous voulez répondre comme ça. Et puis on reprendra si on a le temps. Merci. For the paper that I have to start again, I did start again from zero after 2.5 years. Concernant oui les documents, la montagne de papier qui est à la fin, oui j'ai dû recommencer à zéro après 2 ans et demi. Because I had to go back to Greece and do all over again because I get rejected 3 times in Belgium. Donc j'ai dû retourner en Grèce et recommencer tout à zéro puisque j'avais été rejeté à 3 reprises de Belgique. Si on se mettait en scène, autofiction. Alors. Non, on réfléchissait pas vraiment à se mettre en scène, mais c'est vrai que des fois, ça nous donnait de la force, en fait. Parce que quand il y avait plusieurs manières de filmer, et la caméra avait plusieurs rôles aussi. Alors, au début, c'était vraiment une caméra comme une quelque chose qui enregistre ou une loupe pour regarder de plus près ou pour sauvegarder quelque chose de beau. D'autres fois, on enregistrait, la caméra devenait vraiment pour faire preuve de ce qu'on vivait. Et parfois aussi, c'était comme quelque chose qui nous défendait pour se protéger. Par exemple, en Grèce. Et je dirais, ponctuellement, on était très affaiblis par toutes les démarches de bureaucratie. Et parfois, on se disait, ah, et si on filmait ça? Parce que c'était des choses belles, des choses qui nous faisaient un peu rêver ou penser à autre chose. Des fois, on filmait... Azem, il faisait des cerfs-volants, alors on faisait des images comme ça, ou bien on faisait un tour en roller et on filmait des choses. Donc, ouais, je pense, ou par exemple quand on écrit à la machine, ok, on nous envoie cette lettre-là, ok,
bah nous aussi on va écrire une lettre. Et vas-y, on filme et on écrit un poème. Et du coup, c'était peut-être ces moments d'autofiction, c'était des moments cliniques. C'était où on se relevait, où on essayait de se relever et de quand même créer quelque chose de beau. Ah, there was a question that you talk about the NGO, that there is like the, I mean, of course, like we would like to present like every NGOs, like thanks for every NGOs that help people to cross or their life or to build up their life. But it was not our aim to show, I mean, in the movie, it was not, we had to kind of, choose like the story like that we wanted to show, you know. I mean, I'm gonna get helped by NGO and then I'm fucked up from the other side, you know, like I don't understand like how this I don't know, like I'm in the same country, someone is helping me and the other is kicking me, and then I'm like, okay, thank you, thank you. Donc oui, bien sûr, on aurait pu montrer le travail des ONG, des organisations qui aident les réfugiés, les migrants, mais il fallait qu'on fasse un choix dans l'édition et dans le focus du film. Et pour nous, ça faisait pas trop sens de montrer, d'un côté des ONG, des associations qui nous aident. Et oui, le mot arrive. Et d'un autre côté, comment on se fait niquer, comment on se fait rejeter et expulser. Donc ça faisait pas trop, sens de montrer ça. C'était pas très cohérent pour notre film. Non, on va arrêter là le débat. Merci à tout le monde d'être venu. Peut-être qu'il y aura après, en dehors, peut-être. You would like to talk a bit outside? No, I want to say, the poem of this guy that died in the 6th of December. Je vais vous lire un poème de quelqu'un qui a été tué, voilà. Le 6 décembre. Here is the translation of the poem. I'm going to say it and then you can say it after. Okay. Donc c'est là, j'ai la traduction. I'm going to say it in English. If I must die, you must live to tell my story. To sell my things, to buy a piece of clothes and some strength, make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking in heaven in the eye, awaiting his dad who left in a place, and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself. Seize the kite, my kite you made, flying up above, and thinks for a moment, an angel is there, brings back love. If I must die, let it bring hope, let it be a story. This is a poem from Rifat El Harira, who died in the 6th of December 2023. Thanks. Alors, je lis le poème. Donc, si je dois mourir, vous devez vivre pour raconter mon histoire, pour vendre mes choses, pour acheter un morceau de tissu et quelques fils pour faire un cerf-volant. Faites qu'il soit blanc avec une longue queue pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, alors qu'il regarde le paradis dans les yeux, en attendant son père qui est parti dans la gloire, dans le feu, et qui n'a pas pu dire adieu, pas même à sa famille, pas même à lui-même, voit le cerf-volant que tu as fait en mon nom, voler dans les cieux, et qu'il pense pour un instant qu'un ange est là, ramenant l'amour. Si je dois mourir, que ma mort amène l'espoir, que ma mort devienne un conte. Merci. Merci à vous quatre d'être venus et au public, et bonne fin de journée à tout le monde. Merci.